Direction métro. À direction métro. Le métro de Manhattan à Fort Boyard, ça va être sympa à mon avis. Bon les gars, cette clé là, je vais la ramener, c'est sûr et certain. C'est une question de minutes. Regardez bien, vous allez voir, du grand spectacle. Allumez la lumière et la clé se libère. Puis faites-la coulisser ou vous finirez prisonnier. Ah, il me fallait mon équipe quand même. Oui, en effet, Laurent est prêt. Oui, je serais curieux de savoir ce que c'est, parce qu'un métro sous le fort, c'est du lourd. Le père Foura, figurez-vous, avait prévu de relier La Rochelle à New York via Fort Boyard en 28 heures seulement. Ah oui. À l'époque, c'était révolutionnaire, vous pensez bien. L'avion n'existait pas. Et puis le temps de creuser, ben, l'avion a été créé. Et évidemment, il s'est retrouvé avec sa station et plus personne pour y aller. Le résultat des courses, la station est fermée, souvent inondée, si je suis très honnête avec vous. De l'eau. Et il s'y trouve une clé. Ah. Alors, la seule chose, c'est qu'une fois que tu vas entrer là-dedans, c'est l'obscurité la plus totale. D'accord. Tu vas donc devoir tout de suite aller vers le tableau électrique pour rétablir le courant. La lumière va s'allumer et la clé sera accessible. Les pompes vont aussi se remettre en marche, ce qui fera monter le niveau d'eau. La porte qui permet d'entrer et de sortir de la station va se verrouiller. Une seule façon de ne pas être prisonnier, réussir à faire coulisser la clé le long d'un tuyau et déverrouiller la porte avant la fin de la clepsydre. Ah, donc du coup, si je sors pas, je suis en prison. On pense pas à ça du tout. Attention, mon Lolo. Allez, Laurent, allez. Ouais, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, Laurent, vas-y. Allez, Laurent, tu nous ramènes la clé. Le tableau électrique. Première mission, c'est celle-là. Allez, Laurent, c'est là. Seule une lumière de service au-dessus de ce tableau permet de le guider. Oui, bien. Parfait, le courant est rétabli. La clé est libérée. Wow. La station de métro commence malheureusement à être inondée et la porte est maintenant verrouillée. L'eau est coulée hyper vite. Ça monte vite. Eh oui. Il faut bien sûr faire coulisser la clé le long du tuyau. Allez ! Allez, Laurent ! Il passe dans un tunnel qui est en fait un engin de chantier. Allez, Laurent ! C'est compliqué. Ça s'inonde hyper vite. Là, maintenant, il passe dans la trappe qui lui permet de continuer. C'est le Titanic, hein, le truc. Ça y est, il est passé. Ramène-nous la clé ! Allez. Maintenant, il va falloir qu'il passe dans le wagon et pour cela, le seul moyen, c'est de briser la vitre. C'est dur. Wow. Allez ! La démon. Allez, Laurent. Allez, passe par la fenêtre. Allez, Laurent. Pour le moment, Laurent se débrouille pas trop mal, mais attention au temps. Car regardez, il faut encore qu'il revienne. Ah ouais. Allez, là, il faut vraiment qu'il accélère. Là. Allez, accélère. Allez, Laurent. Allez, vas-y, Laurent. Faut vraiment pas perdre une seconde. Allez, Laurent, vite. Allez, Laurent. Il nous reste plus beaucoup de temps. Mais voilà. Ouais. Tu vas le faire. Allez, c'est bientôt la fin. C'est bon, la porte est déverrouillée. Allez, reviens. Yeah, le champion. Bravo. Comment ça? Super. Regarde-moi le temps, quasiment plus rien. C'est serré quand même. Hein. Ah oui. Mais c'était pas facile. Hein. Non, mais tu l'as fait. Ah bah oui, c'est pas super. Et la cinquième. Bien joué. Ensemble. Parce que nous sommes à 5 clés. Il n'en manque plus que 3. On est bien.